précédemment dans King Quest 6. Oh putain. Et maintenant la suite. Oh putain. Mais il est monstrueux. Mais c'est horrible. Oh putain. Le sort! Le sort est brisé! C'est un honneur pour moi que de vous servir, monseigneur. Souhaitez-vous que je reste encore? De quoi? Ne parlez pas ainsi, Beauty! Croyez-vous que je n'ai rien appris sur l'amour vrai pendant le temps que je suis restée ici? Vous êtes ma reine! Slur. Tiens, elle est devenue rousse. Ah non, c'est un... un bandana. Oh, mes vêtements, cette robe. Cela convient à votre noble cœur. Alexander, comment puis-je vous remercier? Je n'ai rien d'autre à offrir si ce n'est ma gratitude. Mais je vous en prie, prenez ces vieux vêtements. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui en a besoin au cours de vos voyages. Vous m'avez déjà bien remercié avec votre courage et votre amitié, Beauty. Parce qu'on est les meilleurs copains du monde. Ouais! Soyez assuré de notre amitié, notre loyauté, prince Alexander. Permettez un conseil d'un autre voyageur. Si vous trouvez votre amour, protégez-la avec votre vie. Sans le pouvoir rédempteur de l'amour humain, nous sommes tous des bêtes. Et pour vous aider, acceptez mon miroir. Maintenant, ma vie n'est plus suspendue à des ombres. Je n'en ai plus besoin. Donnez-le à quelqu'un qui ne craint pas la vérité qu'il révèle. Thanks. Merci, je vous souhaite tout le bonheur possible à tous les deux, ouais. Venez, petit, laissez-moi vous conduire chez vous. Je t'ai vu. Je t'ai vu avoir les yeux qui brillaient. Encore une fois, bah! Espèce de lézard vilgoaoud. Bien, c'est fabuleux. Je vais sauvegarder. Attention, sauve. Bien. Tiens, une fontaine. L'eau de la fontaine est claire et fraîche. Enfin, fraîche et claire. Quelle est la suite des événements? Non, mais non, mais non. Oh. Ah. C'est pas ça. Voilà, c'est ça ce que j'aurais bien aimé faire pour les druides. Pour moi, c'est ça ce qu'il faudrait faire. Quelques grains de sel au de la mer. Alors par contre les sels au de la mer, personnellement pour moi ça va être les larmes de bébé. Un flacon d'eau sacrée, ça je l'ai. L'eau d'une chute d'eau. J'ai pas vu de chute d'eau moi. Oh putain, non attends, non. Est-ce que ça, ce serait une chute d'eau? Oh putain, eh, franchement. Bon, j'ai sauvegardé, j'ai rien à perdre. Je vais utiliser ça sur le truc. Ouais. Alexander, verse le contenu de la bouteille que lui a donné l'oracle dans la vieille lampe de chasseur avec les larmes de bébé. La bouteille est vide à présent et se désagrège. Oui, c'est logique. Et est-ce que... Oh putain, non, ça c'est salaud ça. Chute d'eau égale fontaine. Waouh! Alexander remplit la lampe de chasseur jusqu'au bord avec l'eau de la fontaine. Et du coup, je... Ah!
Du coup, en fait, j'ai le truc, j'ai le machin nécessaire à l'incantation. Donc, je vais aller voir les druides. Je vais voir les druides. Comme ça, quand je suis dans la cage, bah, je lance incantation. Sauvegarde avant. Voilà. Non, parce que je sais pas si l'incantation je dois lancer avant ou après. Bah, je suis con, je peux la lancer tout de suite et puis au pire si ça marche pas. Ouais. Est-ce que ça prend effet tout de suite? Oh putain, ouais, faut le faire maintenant, putain. Alexander se prépare à enchanter la lampe du chasseur en utilisant l'incantation « Fais pleuvoir !»« Nuage de tonnerre, flèche de lumière, venez et buvez avec moi ce soir, trois auges pour le thé, provoquez à présent une tempête pour moi. » Lampe qu'Alexander tient un petit sursaut. Il espère que l'incantation fonctionne malgré le récipient. Parce qu'il y a un truc, faut la faire bouillir en fait, donc c'est pas complet. Ouais, faut faire bouillir pour accélérer. Ok, d'accord, ok. Ouais, c'est bon, j'ai compris. En gros, là, je vais me faire bouffer. Enfin, pas bouffer, mais choper par les druides. Ils vont me mettre dans la cage, ça va chauffer. Du coup, là, ça va chauffer la bouilloire, c'est ça? Est-ce que c'est ainsi que cela devrait-il se passer? Oh putain, il m'attendait. Sympa. Salut les gars! Grand Dieu, avez-vous cela? Cet homme vient de sortir de nulle part. Il a peut-être été envoyé par les esprits, je ne vois pas son bateau. C'est un intrus, peu importe comment il arrive d'ici, saisissez-le. Tiens, je commence à avoir mal à gorge à force de faire des voix. Ah non, cette fois c'est assez, je m'en vais, pas de problème! Je ne crois pas, non, allons. Victime. Pauvre enfant. Alexander s'immobilise à la vue du spectacle qu'il avait déjà devant lui, et un train de tru, machin, grand druide, mais dans quoi Alexander s'est-il fourré? Ce doit être étranger, machin truc, je dois sauver la princesse, tu dois te sauver toi-même, c'est celui qui dit qui est, voilà. Alexander est poussé dans un cage d'osier. Et la cage est suspendue au-dessus du feu. Alexander commence à avoir un petit peu chaud. De la cage commence à être trop chaud. Cette cage est vraiment trop chaude. Allumez la cage! Oh putain! Xander prend les vêtements de Beauty pour tenter d'éteindre les flammes. Les flammes sont éteintes, mais les vêtements sont réduits en cendres. Alexander ne pourra pas empêcher la cage de brûler pour longtemps encore. La chaleur et le mouvement doivent avoir fait bouger quelque chose. Quelque chose qu'Alexander portait avec lui commence à bouger. Eh, c'est incroyable. Bon, en même temps, personnellement, tu portes une lampe avec de l'eau qui bouge dans ta veste, ça doit faire un peu mal, non? L'eau qui se trouve dans la lampe d'Alexander est très chaude, elle est sur le point de bouillir. Putain. Ouh, la classe. Du coup, ils vont me prendre pour leur dieu. Alexander sonne une goutte, il commence à pleuvoir. Cet homme est un puissant sorcier par le chêne secret, libérez-le. Plus tard, après un orage court mais terrible. Putain, ça c'est de la musique. Réception plutôt brutale de notre comité et les fautes que je ferai dans mes phrases.
Nous n'avons pas été très accueillants depuis les aigles que les êtres ailés ont volé notre chaîne miniature. Oh putain, mais ils foutent tous la merde là, c'est... D'autre part, le vizir a envoyé un message disant de se méfier d'un assassin étranger particulièrement dangereux. Je suppose qu'il s'agit de vous. Je suis certain que c'est moi, je vous assure que je ne vais faire pas de mal à personne, si, sauf si quelqu'un met en danger la princesse. Je regrette d'avoir interrompu votre cérémonie, mais il me restera peu de temps. Que cherchez-vous? L'oracle de la montagne sacrée m'a dit que je devais... J'en ai marre de parler comme ça, désolé. Je devrais vous parler des... vous poser des questions à propos du royaume de la mort. Elle m'a parlé de deux âmes sans repos que je pourrais peut-être aider. Libérer des âmes du royaume des morts? Vous êtes fou! Ces âmes peuvent m'aider à sauver la princesse. Je dois absolument faire tout ce qui est possible. Le danger est sans importance. Vraiment? Et vous faire tuer ne va pas aider la princesse. Mais je vais vous dire ce que vous devrez faire. Selon la légende, chaque mortel a le droit de défier le seigneur de la mort pour sauver sa vie ou celle d'un autre qui est déjà mort. Mais comment le faire? Cela a été oublié il y a plusieurs siècles. À ma connaissance, un seul a essayé. Un jeune chevalier qui arriva au pays des îles vertes provenant d'un pays lointain. Mais c'est moi! Il y a très longtemps, il semblerait qu'il voulait défier le seigneur de la mort pour sauver sa fiancée qui était morte. Il semblerait qu'il dompta le cheval du seigneur de la mort, un cheval aidé et les noirs avec un cœur de démon appelé Nightmare. Parfois Nightmare. Volent dans le monde des humains pour manger des plantes toxiques. Ceux qui ont la malchance de l'avoir sont contents de s'échapper avec leur âme intacte. Le chevalier réussit à capturer Nightmare et la chevaucha jusqu'au royaume des morts. Mais ne le chevalier ne si sa fiancée revint. Le dernier secret pour réussir fut perdu avec ce chevalier. Je vois. Que savez-vous du seigneur de la mort? Ah, on ne peut parler de choses plus noires, les druides l'appellent Samain. Non, Samain, ça va pas. Samaïn. Samaïn, seigneur du froid et du désespoir. Samaïn était une fois un homme comme vous et moi, mais il insulta les dieux et fut condamné à être seigneur du monde souterrain. Classe. Il semble qu'il haïsse tous les humains, surtout parce qu'il a perdu sa mortalité. Super classe. C'est tout ce que je sais. Très intéressant, je m'en souviendrai. Maintenant, regardez les braises de notre feu, elles brillent malgré la pluie. Si vous fléchissez au cours de votre mission, pensez que vous devez garder un courage infléchissable. Regarde! Tu vois les braises qui devaient te tuer? Bah, elles continuent à brûler, tu vois? Bah, tu dois être comme les braises qui devaient te tuer. Tu dois continuer à brûler. Oula. Puisse votre chance durer plus longtemps que la tempête. Oui, vraiment, je vous remercie, grand druide. Ouais, super. Chouette la musique. Et à ce propos, il n'y a pas un truc à faire avec les braises dans le livre. Cette musique est chouette. Non, pas la peinture magique. Je veux tourner la page, merci. Pas la pluie. Un crâne plein de braises de chêne chaude et un peu de soufre. Ok. Oh putain, il a trop la classe ce crâne. Yeah. Sinon, est-ce qu'ils savent un truc à propos d'une côte de maille? Enfin, la côte qui a été volée. C'est la sieste apparemment. La partie Scrabble était tellement épuisante. Il manque du soufre. Non, non, quand même pas. Non, franchement. Oh putain, non. Mais non, je pensais qu'il fallait chercher vraiment du soufre. Non, en fait, juste un œuf pourri, c'est la même chose. Ok, d'accord, ça marche. Bon, sauvegarde. Bien.
Donc maintenant, il faudrait que j'aille choper le l'animal. Je suppose. Et là où il y a des baies toxiques... Sacrée montagne. Ouais, c'est là. Parce qu'en haut, il y avait l'espèce de vieille dame, homme, aux yeux qui brillent, qui voulait me faire bouffer des baies toxiques pour que je vole. Enfin, je suppose qu'elles sont toxiques, parce qu'il a disparu après, mais... Bon, de toute façon, on va voir. Faut pas que je me retape... Ah non, je crois pas qu'il faille que je me retape... Tout... Non, c'est bon. Oh. Alexander, il veut sommet des falaises épuisées par cette escale. Putain, il a trop la classe. Oh, cette musique aussi, elle est chouette. Avant de m'envoler pour le monde des morts, je propose une petite sauvegarde. Voilà. Cette musique est vraiment super chouette. Le bruit des pas d'Alexander effraie le cheval ailé. Putain! Bon, on va reprendre une autre sauvegarde. Alors. Faut d'abord faire l'incantation, tout ça. Chopons le cheval. Non, mais non, oh là là. Voilà. Cette incantation doit être... Oh putain, je suis con, j'ai oublié la mèche de cheveux. Mais... Ah. Alexander met la mèche des cheveux dans le crâne et les bras avec les bras et l'œuf pourri. Miam miam miam. Reprenons. Mais... Ah. Ça faut que je me cale bien sur la page. Voilà. C'est bon. Alexander prononce l'incantation sur le crâne d'une manière solennelle. Créature de la nuit, sous nos doigts, moi, feu, souffre, te laisse insensible, la pureté te contraint pareil, une chaîne fait ce que... Blablabla. Le crâne ne répond pas à l'incantation d'Alexander. Bref, sont devenus froides et ont gâché l'incantation. Putain! Qu'est-ce que tu dis là ?